En 2019, le budget principal de la commune s'équilibre en fonctionnement à 7 078 712 euros et en investissement à 6 585 500 euros. Cette année, plusieurs investissements ont été réalisés. L'aménagement d'un plateau sportif à Saint-Sulpice-des-Landes. L'aménagement et la sécurisation des rues du Pont-Jacot et de la rue du Moulin-du-Bourg à Montmusson. La rénovation et l'extension de la salle polyvalente de Vry, désignée espace des ardoisières. L'installation d'une classe mobile informatique et de vidéoprojecteurs interactifs à l'école du Dauphin à Vry. La rénovation et l'extension de la salle polyvalente de Bonneuvre. Un programme de logement sur le site de la Garenne à Saint-Marlajaille. Des travaux de sécurisation de la rue Saint-Maurice à Frégné et la réhabilitation de la gendarmerie de Saint-Marlajaille. Pour ces investissements, la commune a bénéficié de diverses subventions pour un montant total de 1 326 000 euros. D'autres projets engagés en 2019, qui, faute de temps, n'ont pu être réalisés, le seront cette année. La décision de maintenir les accueils au public dans chaque commune déléguée permet d'apporter les premiers services à nos administrés et donne, nous l'espérons, satisfaction à la population. Du fait du nombre d'agents communaux, la commune a dû se doter d'instances de dialogue social. Le comité technique, instance consultative, composée des représentants du personnel et des représentants de la commune, s'est réuni à plusieurs reprises pour traiter notamment de l'organisation des services et du protocole d'accord sur le temps de travail. Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, composé de 4 élus et de 6 agents, a également été mis en place en janvier 2019. Il a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des agents, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail. La commune a l'obligation de mettre en place un document unique. C'est un outil de prévention qui consiste à identifier et à classer les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les agents. Concernant le pôle aménagement basé à la mairie déléguée de Bonneuvre, une nouvelle organisation a été mise en place au printemps 2019. Le directeur des services techniques est désormais assisté de 2 adjoints, le premier en charge des bâtiments communaux et le second des espaces verts et de la voirie. En 2019, plusieurs marchés publics ont été lancés, des marchés de travaux, des marchés de fournitures et de prestations de services dans le but de réduire les coûts de fonctionnement des services communaux. Par exemple, un travail est actuellement en cours en vue de la renégociation des contrats de téléphonie. Afin de sécuriser les décisions et les actes administratifs, un juriste a été recruté. Cet agent réalise un travail important sur les marchés publics. Il veille également à la légalité des actes en la forme administrative, rédigée en interne, en lieu et place d'actes notariés. L'aménagement du territoire regroupe plusieurs thématiques. Le lotissement communal des Perrières de Saint-Sulpice-des-Landes avait été prévu en assainissement individuel. Depuis novembre 2019, les travaux de création d'un réseau d'assainissement collectif sont réalisés. La mise en service de ce réseau est prévue pour février 2020. Les travaux d'aménagement des rues du Pont-Jacot et du Moulin-du-Bourg à Montmusson sont terminés. Ces travaux consistaient à l'effacement des réseaux et à la réfection de la voirie. La création d'un trottoir et la mise en place de l'éclairage public sur la rue du Moulin-du-Bourg répond à une demande des riverains pour assurer la sécurité de leurs enfants sur le trajet de l'école. Les travaux d'aménagement du rond-point du château à Saint-Marlajaille sont commencés avec l'effacement des réseaux. Suite à la consultation des entreprises en décembre, il est prévu d'attribuer les travaux lors de la séance du conseil municipal de janvier 2020. Les élus ont également travaillé sur le projet d'aménagement de la rue d'Anceny à Saint-Marlajaille. Le maître d'œuvre a été retenu et il est prévu que les riverains soient associés à l'établissement du programme de travaux. L'ensemble de la maintenance des réseaux d'éclairage public de Vallon de l'Erdre a été confié au 1er janvier 2019, au Silela. La commune totalise 320 km de voirie, dont 240 km de voies goudronnées. Cette année, environ 20 km ont été remis en état avec la mise en œuvre d'enduits d'usure. L'ensemble des voies a été élagué et les bas-côtés ont été broyés. Le gros travail sur la révision des PLU des communes déléguées touche à sa fin. Le PLU de Montmusson a été approuvé en janvier 2019. Ceux de Saint-Marlajaille et de Vry ont été votés en décembre 2019 et celui de Saint-Sulpice-des-Landes devrait être adopté en février 2020. Le PLU de Frégné fait actuellement l'objet d'une procédure de modification portant notamment sur la suppression des références au département de Maine-et-Loire. Une enquête publique aura lieu prochainement à la mairie déléguée de Frégné.
Du 1er janvier au 30 novembre 2019, le service urbanisme a traité 577 dossiers, dont 281 certificats d'urbanisme de simple information, 22 certificats d'urbanisme opérationnel, 115 demandes préalables, 62 permis de construire, 6 permis de démolir, 88 demandes de déclaration d'intention d'aliéner et 3 autorisations de travaux correspondant à des constructions recevant du public. À titre de comparaison pour la même période en 2018, 412 dossiers avaient été traités. La thématique vie locale et proximité touche directement les administrés et concerne diverses compétences communales. La commission communale communication travaille avec le service communication sur la création des différents supports d'information de la commune. Nouveauté 2019, un guide pratique Vivre à Vallon de l'Erne est sorti en septembre 2019. Vous y trouvez de nombreuses informations utiles dans votre vie quotidienne. Le site internet et la page Facebook sont animés très régulièrement afin de tenir les Vallonnais informés des événements municipaux et associatifs. J'en profite pour remercier les Vallonnais pour leur apport d'informations et de photographies des événements. Soucieux de maintenir le lien avec les associations qui contribuent à l'animation de notre commune, la commission vie associative travaille sur l'harmonisation des pratiques et réfléchit à la simplification des procédures. Les associations ont désormais un interlocuteur dédié aux différentes demandes d'organisation, de manifestations ou de matériel. En collaboration avec les associations volontaires, la commune a organisé en septembre dernier la première édition du Forum des associations. La saison 2019-2020 marque une étape importante du projet culturel des Vallons de l'Erne, puisque l'objectif est d'investir l'ensemble du territoire avec des spectacles au plus près des habitants. Un premier rendez-vous a eu lieu sur l'ensemble des communes déléguées avec le festival intercommunal « Ce soir, je sors mes parents », puis un second à Vry à l'occasion de l'inauguration de l'espace des Ardoisières. Un prochain spectacle se déroulera à Saint-Sulpice-des-Landes. L'année a aussi été marquée par les 20 ans de l'espace Paul Guimard. De nombreuses surprises sont encore à venir et nous sommes impatients de vous y retrouver. N'hésitez pas à consulter la plaquette de la saison culturelle et à réserver vos places auprès des accueils des mairies déléguées. Le CCAS qui accueille et accompagne les administrés rencontrant des difficultés est basé à Vry. Mais il est possible de rencontrer l'agent en charge de ce service dans les différentes mairies déléguées. Vous pouvez ainsi obtenir les renseignements sur les logements, les aides financières et les actions mises en place pour rompre la solitude et l'isolement. Depuis septembre 2019, le CCAS est en lien avec le service Enfance-Jeunesse pour mener des actions intergénérationnelles, avec l'EHPAD notamment. Tous ces moments permettent de jolies rencontres entre les enfants, les assistants maternels et les résidents de Jardin de l'Erdre. À l'initiative des communes déléguées de Saint-Marlajaille, Vry et Bonneuvre, trois gros chantiers ont abouti ou s'achèveront en 2020. L'espace des Ardoisières à Vry a été inauguré le 23 novembre dernier, après un an de chantier. Cet équipement spacieux, doté d'une cuisine adaptée aux professionnels et d'un espace scénique, en fait un véritable lieu de rencontre, de détente, de travail, de spectacle qui permettra aux artistes locaux de s'exprimer sans modération. À vous, Vallonnaises et Vallonnais, de vous l'approprier. Concernant la construction des 10 pavillons et la réhabilitation de 8 logements à Saint-Marlajaille, la livraison est prévue au premier trimestre 2020. Ce nouvel espace se veut un lieu de mixité. Une demande importante de logements nous est parvenue pour ces locations. La rénovation de la salle polyvalente de Bonneuve s'est achevée récemment et permet de disposer d'une salle plus fonctionnelle avec une extension avec la création de nouveaux sanitaires, d'une salle de réunion et d'une circulation. L'aménagement des extérieurs pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite, l'agrandissement de la bibliothèque. À Saint-Marlajaille, la toiture de la bibliothèque a été entièrement refaite. À Saint-Sulpice-des-Landes, le City Stade et le terrain de tennis juxtaposés ont été inaugurés en juillet dernier. Aujourd'hui, c'est une véritable satisfaction de voir des jeunes se côtoyer et partager un même espace de loisirs. Sur les communes déléguées de Frénier et de Vry, des portiques ont été installés aux entrées des stades de football afin d'éviter le stationnement non autorisé sur ces espaces. Les travaux de réaménagement des bureaux, des logements et des abords de la gendarmerie
sont actuellement en cours. L'accueil du public à la brigade de Vallon de l'Erdre est actuellement fermé, mais les horaires d'ouverture de la brigade de Riaillé sont étendus. En effet, depuis le 1er septembre 2019, suite à la réorganisation territoriale, les brigades de Vallon de l'Erdre et de Riaillé travaillent ensemble. Par ailleurs, nous expérimentons actuellement dans une partie du cimetière de Maumusson une nouvelle méthode pour faciliter l'entretien. Cela consiste à mettre en place du paillage en copeaux entre les tombes et de la pelouse à pousses lentes dans les allées. Si cet essai s'avère concluant, nous l'étendrons à l'ensemble des cimetières communaux. Enfin, concernant l'entretien des espaces verts, une réflexion a été portée sur la gestion différenciée des espaces dans les communes déléguées. Nous avons ainsi opté pour des tontes raisonnées à certains endroits, comme au plan d'eau de Frégné, Saint-Marc-la-Jaille et Saint-Sulpice-des-Landes. Mais cette pratique sera étendue à l'ensemble du territoire. Cela fera désormais partie de notre paysage. Le pôle famille s'est restructuré avec l'arrivée d'une responsable du service qui coordonne une équipe de 27 agents et gère les projets parentalité et intergénérationnel. Au multi-accueil, les cabrioles, l'équipe met en place chaque année un projet d'activité permettant de partager des temps, des sorties, des chansons en lien avec un thème défini. Le RAM vous apporte des informations sur différents modes d'accueil. La liste des assistantes maternelles est un accompagnement administratif. Ce service propose aussi des matinées d'éveil, des activités de motricité libre, des soirées conférences et des moments de partage entre les enfants, les assistants maternels et les résidents des Jardins de l'Erdre. Les accueils périscolaires municipaux sont ouverts les jours de classe à partir de 7h15 et offrent désormais la possibilité pour les enfants de prendre un petit déjeuner équilibré. Concernant les accueils périscolaires du mercredi, de nombreuses actions sont mises en place sur la thématique « Bien dans son assiette, bien dans son corps, mieux dans sa tête ». La commune a également décidé de mettre en place le dispositif « Cantine à 1 euro » dans les restaurants scolaires municipaux pour les rendre accessibles à tous et permettre aux enfants de manger des repas équilibrés au moins une fois par jour. Pendant les vacances scolaires, un multi-accueil de loisirs, multi-site, ouvre ses portes. C'est un endroit idéal pour se rencontrer, s'amuser, partager au travers d'activités variées. Pour faciliter le transport des enfants, deux minibus ont été achetés par la commune en 2019. Le service Animation Jeunesse propose deux nouveaux rendez-vous pour les jeunes. Le mercredi après-midi de 15h à 17h pour des temps d'animation encadrés qui tourneront sur les communes déléguées et le vendredi de 17h30 à 19h au foyer des jeunes de Saint-Marc-la-Jaille pour réfléchir et mettre en place des projets par et pour les jeunes. Le collectif Parentalité propose tout au long de l'année diverses actions comme des conférences, des cafés parents et des ateliers parentalité. Il aide les parents à répondre aux questions qu'ils se posent sur l'exercice de leur parentalité et à faire face aux difficultés rencontrées avec leurs enfants. Le CME est aujourd'hui composé de 8 enfants de la commune historique de Saint-Marc-la-Jaille. Celui-ci va évoluer et s'ouvrir à l'ensemble des enfants vallonnais scolarisés en CM1 et en CM2. En 2019, une animation festive, un ramassage de déchets et une soirée familiale au mini-golf ont été organisées. Le collège Louis Pasteur fait peau neuve pour rendre les locaux plus fonctionnels, mieux adaptés à la pédagogie actuelle et accessibles aux personnes à mobilité réduite, avec notamment l'installation d'un ascenseur. Deux études prospectives sont venues alimenter notre réflexion. Vallon de l'Erdre demain, imaginons ensemble, et l'étude stratégique de développement commercial et de services. Ces outils de réflexion s'inscrivent dans une volonté d'agir pour assurer aux Vallonnais des services et activités de qualité qui font de Vallon de l'Erdre une commune agréable à vivre.